Les pompiers ont bien entendu fait un périmètre de sécurité qui allait de la Bourse jusqu'à la rue des Pierres qui est derrière moi, qui était où on a évacué les habitants et les gens qui travaillent. Nous sommes intervenus pour faire d'abord une réparation provisoire. Et puis, une fois la réparation provisoire sous contrôle, nous avons pu chuter la pression dans la conduite moyenne pression. C'est une conduite qui alimente certains gros clients consommateurs, comme la Bourse, comme l'hôtel Amigo, comme l'hôtel de ville, comme une école qui se trouve près du Manneken Pis. Et donc, nous avons chuté la pression de manière à ce que nos hommes puissent faire les soudures et les réparations définitives avec du gaz dans les conduites, mais dans une pression raisonnable. Donc, nous avons réduit la pression jusqu'à 34 millibars. Nous avons coupé, bien entendu, l'alimentation pendant un peu moins d'une heure des clients dont je vous parlais. Et puis, nos hommes ont procédé à la soudure définitive d'une pièce. Et nous verrons dans la suite s'il faut conserver ce siphon qui est issu de l'époque du gaz de ville. Et on verra s'il faut le conserver ou le supprimer.